Salut l'équipe. Alors dans cette vidéo, on va changer le roulement, tu sais, sur l'applicateur de joint là, de chez Quick Joint. Parce que là, il a vraiment du mal. D'ailleurs, je suis même étonné que là, il tourne parce que hier, il avait du mal. Bon, donc du coup, je l'ai commandé chez EasyFoss là. Apparemment, ils sont à Albert dans le 80. C'est du côté de... C'est dans la Somme, ça, c'est du côté d'Amiens, je crois. 80. Donc regarde, donc ils l'ont livré bon, dans une enveloppe, tu sais, juste à bulle. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, ils disent juste leur truc. Je l'ai commandé chez eux parce que j'ai vu que c'était au même prix sur les sites genre 1, 2, 3 roulements, etc. Donc là, à blanc, tu vérifies que c'est le même. Ouais, c'est bon, c'est le même. Maintenant, on va retirer l'ancien. J'aurai besoin de ma petite mosse et de mon burin. Donc dans cette vidéo tu auras besoin d'un burin, mais celui-là il était trop large, tu vois. Donc soit un burin de ces plats, en pointe là, en pointrolle, qui pourra aller. Ou alors sinon le mieux, l'idéal, c'est des chasse goupilles. Avec le chasse goupille là, c'est un 6 mm que j'ai. Bon, il est trop petit pour aller dans le roulement. Attends, est-ce que j'ai l'ancien roulement qui... Bon, tu vois, il est trop petit là, t'as vu, tu vois, il nage dedans. Là. Mais par contre, c'est la même largeur ici que là, tu vois. Donc tu pourras le taper. On s'est juste mis en force, hein, ces conneries. Là. Donc c'est bon, il sort. Bon, j'ai trouvé un chasse-goupille dans mon garage. Mais le problème, c'est que t'as vu, il nage dedans. Mais bon, regarde. Il est juste pile du diamètre de, tu vois, au niveau d'ici, là, du diamètre intérieur. Donc normalement ça va le faire. Voilà. Bon, je vais nettoyer au niveau du l'endroit qui doit venir le roulement. Donc un petit coup de cutter pour enlever l'excédent de joint qui est resté à cet endroit-là. Bon, voilà. Donc j'ai nettoyé, bon, vite fait. Donc maintenant, je vais remettre le roulement. Je vais mettre les inscriptions côté vers l'extérieur, tu vois. Parce qu'il y a un côté, il n'y a pas d'inscription. Comme c'était avant. Bon. Bon, il rentre tout seul, le truc. Attends, je vais le taper légèrement avec... un tasseau en bois, histoire qu'il soit bien à fleur. C'est bon, il est. Bon, je vais le remonter pour te montrer le final. Bon, hop, on remonte le système. Hop, c'est... Oh putain, je vois, il ressort. Tac. Le problème, c'est que le plastique, tu vois, comme il est en plastique, il a tendance à avoir du jeu après avec le temps. Mais bon, après ça va. Donc après, hop. Je vais remettre un super système, là, le con. Ok. Bon, après, c'était surtout pour te montrer. Tu vois, ça marche bien. Voilà, donc si cette courte vidéo t'a plu, pouce bleu. Et si mon contenu t'intéresse, abonne-toi, il reste de la place.